Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer une recette de pâtes au poulet simple et rapide. Mon contenu te plaît? Alors lâche un maximum de pouces bleus, abonne-toi et active la cloche des notifications. Pour cette recette, nous avons besoin de pâtes, comptez 100 grammes par personne. Ici, j'ai utilisé des penne, de 75 g de mozzarella râpée, de 35 cl de crème fraîche, de 400 g d'escalope de poulet et d'un oignon. Vous retrouverez la liste des ingrédients ainsi que leur quantité dans la description. Je commence par faire bouillir de l'eau, ensuite je plonge mes pâtes et on les laisse cuire al dente. Ensuite, on va venir découper notre escalope de poulet en tranches. Ensuite, on les met dans un saladier. On verse 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Puis un mélange d'épices. Ici, j'ai utilisé un mélange d'épices pour poulet. Ensuite, on mélange. Ensuite, on va venir découper notre oignon en morceaux. Ensuite, on va venir faire cuire notre escalope dans un peu de matière grasse. Comptez 3 à 4 minutes de chaque côté. Une fois que notre poulet est cuit, on va venir le débarrasser dans une assiette. Dans la même poêle, on va venir rajouter un peu d'huile. On y verse nos oignons. On remue et on laisse mijoter 2 à 3 minutes. Ensuite, on vient rajouter notre crème fraîche. On mélange. Et on laisse mijoter 1 à 2 minutes.
Ensuite, on vient verser nos pâtes. On rajoute notre mozzarella râpée. On mélange. On éteint le feu. Puis, on va venir rajouter notre tranche de poulet coupée en morceaux. On rajoute un peu d'herbe de Provence. Et notre recette est terminée. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter bon appétit. J'espère que cette recette vous aura plu. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez et à très bientôt pour de nouvelles recettes. La vidéo t'a plu? Alors n'hésite pas à t'abonner, à de liker, de partager et de commenter. Et tu peux regarder aussi mes anciennes vidéos.